1939, en France. Ah, Jagger! Claude, bon Dieu, mais qu'est-ce que tu fabriques? T'es encore totalement ivre. Mais tire-lui dessus, bon Dieu! Oh, la merde! Oh, merde. Maurice. Oh, Maurice. Ah, Claude! Jagger est en train de s'enfuir. Claude, si Jagger s'enfuit, on pourrait déclencher une deuxième guerre mondiale. J'arrête l'alcool, Maurice. Claude arrivera-t-il à rester sobre? Jagger est-il une bombe? Claude mangera-t-il Maurice? Découvrez toute la vérité dans Always Link to the World Peace. Pour la toute première fois sur vos télé-écrans, découvrez le dernier chef-d'œuvre de Jean Table. Après Casablanco et Vol au-dessus d'un nid de caca, Always Drink to the World Peace. Ah, la pisse. Ouais, la pisse. Avec Jimmy Conchou dans le rôle de Claude. Les Anglais ont débarqué. Sandrine Guizet dans le rôle de Agneux. Always Drink to the World Peace. Une histoire pleine de rebondissements avec Hitler et Pétain. Simon, le juif. Maurice, mort dès la première minute du film. Mais aussi, les roast beef. If you want to succeed, you need to find the French agent Claude. Claude, on l'appelle la biscotte, parce qu'il est tout le temps beurré. Quand le monde a la gueule de bois, un seul remède, Claude. De l'aventure. Allez, faites sauter le bouchon, je reprends les manettes. Alors, les deux pédés, ça ricane? De la bagarre! Du suspense! Des arbres! Du poil! De l'alcool! Toujours de l'alcool! De l'amour! C'est la première fois que je rencontre un homme qui se parfume au poivre. Ah oui? Peut-être que vous n'avez jamais rencontré un vrai homme. Always drink to the world peace! De l'amour et de la politique! Le cocktail parfait qui plaira aux gentlemen comme à leurs dames! Comment? Vous ressortirez de la salle en vous disant « Waouh, c'était super !» Une fois que vous avez volé ce document, on se retrouve à l'aérodrome. Il est où cet aérodrome? Voyez, là sur le boulevard Arthur. Vous prenez ce 200 mètres, vous avancez tout droit et c'est le troisième à gauche. Ah d'accord, même que je connais un raccourci. Vous voyez cette petite rue là? Tout à fait. Elle débouche sur le boulevard Saint-Martin. À quoi traîne-t-on? À la paix dans le monde. Toujours plus d'alcool! Pédé. Un film avec des nazis complètement pétés! Vous reprendrez bien un verre de Always Drink to the World Peace. Non merci, je n'ai plus soif. D'accord. Allez, ho. Sortie prévue, octobre 2016.